La Grolla, dal testo di Amédée Berthaud del 1961. Elle est en bois, travaillée autour et gravée d'entailles, ou décorée d'arabesques en relief. Sa capacité moyenne oscille entre 1 et 2 litres. L'origine de la Grolle remonte au temps des croisades. Elle était chantée par les trouvères. Ce récipient, qui était à l'époque un vase d'argent, ne manquait jamais de faire son apparition dans les festins des chevaliers de la table ronde. Il s'appelait alors Graal ou Saint Graal. Ce mot de Francisca, dans le terme valdôtain, devient la Grolla. De nos jours encore, nos artisans du bois fabriquent chaque année des centaines et des centaines de grolles. Et cet objet est désormais connu et apprécié par beaucoup de touristes qui fréquentent notre vallée et surtout par les cinéastes qui aspirent au prix della Grolla d'oro de Saint-Vincent. Questo oggetto simbolico, che negli anni ha cresciuto la sua forza, nasce come oggetto, fin come ci racconta Amédée Berthaud, fin da tempi molto remoti. Dietro a me vedete delle rappresentazioni di grolle appartenenti ad un'importante collezione che è la collezione Brocherelli. Alcune di queste grolle erano poi modello per essere realizzate in argento e lo vedete benissimo dal tipo di decoro molto fine. Un oggetto che tuttora in Val d'Aosta è ritenuto un oggetto simbolico e prezioso, che spesso le famiglie hanno nelle loro case.